bonjour. On est très content, madame, monsieur, pour cette nouvelle journée de la 21e édition du Mondial Wissi 2018. On va vous apporter d'ici quelques minutes la rencontre entre la Colombie et le Japon dans le groupe H, le dernier groupe. Et donc, on va voir et ce mardi toutes les 32 équipes du Mondial Wissi 2018. Comme d'habitude, nous sommes trois pour vous apporter cette rencontre. On a à ma droite, j'ai à ma droite et Pierre-Miguel Pierre-Gilles. Il est au milieu. Et puis, et au fond, on a Fritzner Dominique. Vous êtes au fond, Fritzner. Bonjour, Fritzner. Je suis d'accord. Bonjour Jérôme, bonjour Pierre-Miguel, tous les amis sportifs Radio et Télévision Nationale d'Haïti. Une fois encore, nous comptons avec vous pour nous poursuivre avec la 21e édition Coupe du Monde là, où ici à organiser. Bonjour, 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 bonjour Pierre-Miguel, Pierre-Gilles, où on forme là? Tout le bagage neuf, non mon? Bonjour Jérôme Pierre. Est-ce que tout le bagage est neuf? Donc, si vous prenez le soin pour garder, moi pour tout le bagage, ok? Voilà, les amis téléspectateurs, auditeurs, nous comptons rejoindre nous aujourd'hui. Hein. Côté nous, dans le dernier groupe là, dernier pour l'an, qui c'est pour H là, pour rencontre aussi là, qui prend le mettre prise la Colombie et le Japon. C'est avec un peu de plaisir nous retrouvons aujourd'hui. Hein. Voilà, madame, monsieur, nous prenons attaquer dernier groupe là. Je le disais tantôt, nous prenons toutes 32 équipes yo journée mardi hein, pour nous capable vrai visage et bien toute équipe yo dans la Coupe du Monde ça. Groupe H là qui gagnait la dernière, la Colombie, le Japon, la Pologne, le Sénégal. Et bien, nous prenons qui comportement, qui ça, groupe ça pral offrir nous comme spectacle et qui ça pral ba nous comme menu pour nous capable dicter nous parti pour une très bonne Coupe du Monde. Voilà, la Colombie contre le Japon, duel des continents, puisque la Colombie fait partie de l'Amérique du Sud, alors que le Japon, lui-même, c'est dans la zone asiatique, là, deux styles différents, et japonais yo, qui jouent au football rapide, ils ont mis en pile dans le style de jeu, ils jouent au football solide, tout. Nous connaissons la Colombie, depuis des années, son football toqué, sous génération Frédéric, Carlos Valderrama, et puis dans les buts René Higuita, c'était vraiment une équipe qui a toqué, qui a marché sous le monde. Mais gros problème Colombie, c'est que malgré l'abjon bon football, toujours est-il que il n'est pas capable de faire gros bagaille dans la Coupe du Monde. Et, par contre, comment on affiche ça entre la Colombie et le Japon, Fritzner Dominique? Alors nous d'accord avec Jérôme, réussite là, il y a grand pile doute, bien que en 2014, il a été atteint le quart de finale au Brésil. Japon, Colombie, deux styles différents, je vous obtiens là, Sud-Américain contre Asiatique, 6 participations pour chaque, puisque nous connaissons Colombie, était sous sanction, FIFA était sanctionné, il y a tapé jusqu'en 1957 pour participer dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Bon, c'est ça qui fait que il y a sous 6e participation dans la phase finale Coupe du Monde. Alors, il y a avant à Colombien, yo, puisque les gars des générations jouent football que vous gagnez là. Il est vrai que bon, on joue en cours Yamés Rodriguez, il était annoncé qui incertain, nous parlons ça tout à l'heure. Et Falcao, pour ne pas citer jouer football ça seulement, eh bien, Colombie, nous capable de dire, nous balle avantage dans le match à football là, et surtout, participation en 2014, j'en dis le tantôt, il était arrivé en quart de finale. Et puis, Japon, pourquoi j'aime gagner une équipe sud-américaine, ça t'avait dit, tout ça joué pour l'équipe colombienne dans le match aujourd'hui là. Comment campe un match comme ça, Pierre-Miguel Pierre-Gilles, et sud-américain contre asiatique? Donc, c'est un rencontre de football, côté donc sud-américain, yo, parti est favori pour lui. Et raison, c'est que la majorité joueurs, quand même, qui dans l'équipe de football colombienne, non, et surtout dans 11 de départ, a évolué en Europe, quand même, dans le plus gros club européen. Yo. Donc, il y a une équipe japonaise, c'est vrai, quand même, qui toujours fait bonne préparation dans le début mondial, yo, mais qui pour aujourd'hui, capable non disons exception faite pour 2002 donc qui pourquoi j'aime capable quand même imposer vraiment dans le mondial là donc génération colombienne ça c'est vrai avec la présence de OCP Kerman qui était quand même joué un très bon mondial en 2014 qui était pas sorti contre le Brésil moi j'étais quoi que yo quand même favori pour remporter un contre alors et football asiatique là qui pas au moment Fritzner Dominique au moment où elle envie pour un essor on l'autre moment où elle descend encore qui ça vous pensez qui explique lui alors si nous analysons zone là par exemple bah, Japon c'est un pays qui est plus important sous
plan football dans le continent ça, eh ben adversaire yo pas de poids. C'est même gens l'ont comparé championnat européen yo. La France par exemple, yon nan problème qui gen li gen au niveau Europe, c'est que championnat français par exemple, l'on prend Paris Saint-Germain ou gen tendance li trop fort pour championnat français, mais le rive en Europe par exemple dans Ligue des Champions ou elle limité. Eh ben c'est problème ça qui rive Japon, l'autre monde cavel dans continent yo trop fait par rapport à lui-même, l'a craser zone ça, mais le rive dans Coupe du monde, li limité par rapport à l'autre pays qui a joué football dans le monde ça. Et ça te fait le plus souvent ouais que yo pas ka atteindre objectif yo, bien que en 2002 yo t'ai atteint les quarts de finale, on songe ça. Coupe du monde la t'ai fait la caillo, yo t'ai atteint les quarts de finale. Et ben c'est plus gros côté yo rivé dans phase finale Coupe du monde, parce que yo gan pile en pile bagaille pour yo prouver toujours si yo rivé plus loin dans phase finale Coupe du monde. Parce que de nos jours même ou pas gagné yon joueur japonais qui au top, sous prend par exemple Corée du Sud ou gagne Son Heung-min qui a joué dans Tottenham, qui c'est principal vedette formation sud-coréenne, mais pour le Japon après Keisuke Honda, oui c'est des joueurs qui passent déjà Keisuke Honda, Nagatomo qui font bonne dans l'Inter de Milan, vous comprenez, c'est des joueurs que moun te connaît il y a de cela 5-6 ans. Maintenant qu'on est à l'an 2018 ou non mondial, tu as supposé ouais yon tête japonaise qui pral distinguer dans Coupe du monde ça, ou tu as supposé un joueur comme Simdado dit quête joueur ça ou pas tant on bagaille de lui, mais l'analyse formation japonaise là ou pas jeune au monde vraiment qui sorti du lot ça. Oui, son déficit que son équipe yo pral quoi dans collectif là. Oui. Avec dit pas un superstar comme Simdado yo ka démarquer yo, mais c'est collectif là qui pral marcher, même j'avais avec plusieurs autres gros équipes football par exemple. L'Allemagne pas un superstar vrai comme Simdado qui détaché lui, mais c'est un collectif qui a marché par rapport avec Argentine ou qu'a dit Messi, Brésil ou qu'a dit Neymar, mais pour Japon c'est collectif là qui va le marché là. Mais en 2006 Jérôme, il y a quand même eu une présence Honda qui c'est véritable talent. Justement. Et c'était pas le même son cloche en 2014. Et on t'y mention monsieur pour Radamel Falcao qui était raté Coupe du monde 2014 monsieur, oui. C'était étonnant monsieur raté Coupe du monde parce que monsieur a joué un match Coupe de la Ligue française alors que Monaco t'a mené 3-0 entre nous l'ont quitté monsieur sous terrain, monsieur pral blessé dans le match là, il a raté Coupe du monde. Bon, le malheur de bon ça arrivait souvent, l'autre je dis à l'équipe et c'est James Rodriguez qui pral fini vedette Coupe du monde ça et qui te sorti même meilleur buteur avec 6 réalisations. Alors le pas premier monde qui victime de situation ça, Jérôme ou songer pour mondial 2002 à Emerson monsieur te fait partie groupe Brésil là, malheureusement là blessé à l'entraînement, et ben qui fait que le pas champion du monde avec Brésil. Journée jodi à là ou capable de marquer Dani Alves li pas joué Coupe du monde là à cause de blessure. Quand pile l'autre joueur football c'est après le dernier phase finale Coupe du monde bon, Daniel Alves. Voilà, ça arrive presque tout le monde. Et monsieur m'a profité de nous, c'est dans le stade Mordovia Arena que rencontre ça après le jouer. Côté nous prend direction ville Saransk. C'est dans Saransk que nous allons. Il y a un stade quand même qui à peine construit uniquement pour mondial et ça qui pas le servir pays ça quand même après. C'est pays qui fait plus stade pour oui, après Coupe du monde là on va le grand pile en pile stade, il va le retirer place et augmenter parce que gen stade là qui te prend environ 35 000 monde, il augmenté pour prendre 40 000 monde, mais après Coupe du monde là, il va le quitter la 35 000. Et forme d'auto Dominique Fritzner, stade ça qui c'est Mordovia Arena, c'est un stade qui gagne en capacité de 45 015 places, quand même 45 015 monde capable suivre. Donc les Nippons contre les Cafeteos, donc nous pralouer ça duel ça pral poter. Nous sommes dans le groupe H pour ce match de football entre le Japon et la Colombie. Nous t'ai vraiment fait un petit râler sous équipe japonaise là, et également la Colombie, deux styles différents qui pas trop différents, non pas si ça. Et voilà, et la formation colombienne Pierre Miguel Pierre-Gilles. Effectivement, Jérôme Pierre, dans le lance, c'est pour David Ospina, il pour la présence de Davinson Sanchez, Oscar Murillo, Juan Mojica, Santiago Arias en défense, et puis il y a un joueur comme Juan Quintero, Carlos Sanchez, Jefferson Lerma, et puis devant pour le Radamel Falcao, aussi Izquierdo, Juan Cuadrado. Ils ont 4-4-1-1.
et que la Colombie ou t'es capable de dire yon 4-5-1 tout, c'est comme ça Colombie, mais le plus souvent ou capable de voir schéma tactique là comme ça. Oui, coup de voix souterrain, tout va changer. Oui, carrément schéma tactique tout va changer, c'est sous papier. Alors monsieur Gombay, je voudrais me signaler nous, c'est que peut-être nous qu'à négliger mais pas trop qui passe souterrain mais qui n'en jouette là. Question pariage là. Question pariage à monsieur, en pile moun nan monde là attend gens de compétition ça pour faire cob parce que vous pral parier. Jean ouais, nous même en dans radio et télévision nationale d'Haïti, nous poser question qui est cap marqué, qui équipe cap gagné, et mais c'est comme ça tout grand pile fanatique qui paye billet à le match mais il dit faut qu'il rentre cob. On connaît quelques heures avant coup d'envoi match football ça grand pile colombien qui parier sur Japon. Yo parier Japon a gagné. Able dit c'est pour moutro question pariage là li à la mode ou pas à négliger. Oui, négla joué comme côté le senti le gagner. Évidemment. L'équipe du Japon madame monsieur dans les buts et Kashi Kawashima et en défense Gen Shoyi, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo, joueur très connu dans le football japonais. Iwoki Sakai, Shinji Kagawa, également un joueur très connu, Kagu Shibazaki, Makoto Asebe, Yuya Osato, Takashi Inui, Genki Araguchi, voilà le 11 du Japon, madame, monsieur, Japon contre la Colombie. Alors, passer deux équipes sur la Coupe du Monde, faut nous dire que dans l'histoire Coupe du Monde, la Colombie fait 7 victoires déjà, 2 matchs nuls, 9 défaites. Li manqué 26 goals, li encaissé 27. Passé Japon dans la Coupe du Monde, eh bien, dans l'histoire équipe japonaise, là, ils ont fait 4 victoires dans la Coupe du Monde, 4 matchs nuls, 9 défaites. Ils ont inscrit 14 goals et ont encaissé 22. Parcours de deux équipes ça dans l'éliminatoire, tout d'abord Colombie. Dans l'éliminatoire, Colombie a fait 7 victoires, 6 nuls, 5 défaites. Li manqué 21 goals, li prend 11. Japon fait 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Li manqué 17 goals, li encaissé 7. Et puis dans face à face, deux équipes ont joué 3 matchs déjà. Donc Colombie fait 2 victoires en nul. C'est-à-dire Colombie beaucoup jamais perdu devant Japon. Japon gagne obligation là pour au moins l'État fait en victoire sur la Colombie. Nous songez Coupe du Monde et qui était faite en 2014. Là, Colombie a écrasé Japon. 4 goals à 1. Il était dans le groupe C1. Donc voilà. Et le Japon qui gagne comme objectif émission. Eh bien, à retirer malédiction ça, à savoir. Dans l'air. C'est parti, Jérôme. Pour la première manche, ballon pour les Nippons en bas défense centrale avec Gen Shoyi. Gen Shoyi fait passe en profondeur, coup de tête défensif, ballon joué de la tête par un footballeur japonais. Son ballon qui allait en touche, touche donc pour Los Cafeteros, la Colombie contre l'équipe du Japon. Nous avons dit que nous avons parlé de histoire. Eh bien, et Pablo Escobar, hier dans retransmission match qui te opposait la Belgique contre l'équipe du Panama, a rappelé que la Belgique dominait Panama 3 buts à 0 avec un doublé de Romelu Lukaku, un but de Dries Mertens. Donc la Belgique, nous connaissons un groupe qui gagnait le Panama, la Tunisie et l'Angleterre. Entre autres, ballon pour la Colombie et Davinson Sanchez passe en retrait pour goalkeeper et David Ospina. Ballon en bas défense là et pour Oscar Murillo. Et donc ballon aller en touche, voilà, et touche le poil fait rapidement. Et est-ce que la privée centrée? Oui, centrée, mais son ballon calé dans le bras goalkeeper colombien David Ospina. Monsieur, c'est madame James Rodriguez. Entre autres, il y a deux petites tavelles, monsieur. Entre autres, ballon donc pour l'équipe colombienne. Ou pas de l'orgue petite. Alors, Jérôme, on a parlé de Escobar là, génération 94. Là, à mon avis, c'est la meilleure génération colombienne qui tape le football. Valderrama, Aspria, René Guita, parce que c'est une belle génération. Ça a un petit temps pour nous, ouais, une génération comme ça, oui, pour la Colombie.
compte football les attention n'a regardé là à l'écran Carlos Sanchez son ballon qui sautille en touche touche pour les Nippons on touche qui allait vers Maya Yoshida qui balle sous Gensi Joy le numéro 3 Gensi Joy Joy qui était là pas défense là le Japon a joué avec en défense à 3 on passe anticipation deuxième balle on remet en retrait attention la passe du numéro 16 colombien Jefferson Lerma ballon toujours équipe colombienne n'a pas oublié que va suivre Colombie Japon dans 81e édition du mondial Russie 2018 nous sommes en Russie ballon donc à gauche pour le numéro 17 et n'a parlé de Johan Moïka ballon contré et on dégagement dans défense et japonaise là attention bon lutte pour possession oh Japon bon papa bien joué yo bon encore non c'est pas vrai boule pénalité papa pénalité pour le Japon et, carton rouge, carton rouge. Le premier carton rouge du mondial Wissi 2018. Et est-ce que c'est avec même monsieur ou tiré ballon qui t'a pris l'enfilé? Oui, parce que monsieur, c'est comportement arbitre pour nous garder. Pierre Miguel Pierre Gilles. Mm-hmm. Monsieur, pas hésité. Oui, pour ça, ça veut dire qu'il est bien ébu. Il est bien ébu. Il est sale. C'est sale, il est sûr de lui. Il est non seulement bail pénalité et puis il sort ce carton rouge. Il est rapide tout Dominique. Parce que il y a des actions. C'est Carlos Sanchez qui est sanctionné. Claire, une précision pour me porter pour Mounio, où est-ce que ça, c'est carton rouge. Pour qui ça? Parce que je vois football là, il était au niveau de la frappe là dans main, deuxième frappe là dans main. Est-ce que c'est l'écale des ballons? Hein? L'écale des non, mais en détaché. Mais en détaché net. L'écale d'elle. La mer détachée, mais on, c'est ça, monsieur, c'est natation, monsieur, fait là. Bon, gardien, t'es battu, avait dit ballon, ouais, c'est dans filet, elle d'abord. Il parce que premier shoot là, monsieur, David Ospina, retiré, on l'autre joueur colombien et japonais joué, rebond, ils mettent une deuxième frappe, et goalkeeper, t'es qu'à faire à l'arrière, c'est dans le premier poteau, on l'a oui. Donc, les potes qui tourné, deuxième frappe là, après, dans le quand même. Alors, qui t'aime préciser, sous cas ça, monsieur, nous, yo bail carton rouge là, à défenseur japonais, si c'était un attaquant colombien, il tape un carton jaune. Il n'y a pas de balle rouge là. Ça peut dire. Parce que FIFA, c'est goal livré. Son goal que Mouna te voulait fait. Il trompe vigilance arbitre là, il fait la main. Okay. Il a sanctionné, mais il n'a pas mis le dehors. Mais défenseur a empêché goal la fête. C'est normal, il a mis le dehors, il a balle carton rouge. Alors, coup dur pour la Colombie. Deux sanctions, monsieur. Alors, possibilité pour Japonais, t'as ouvert ce score-là. Pourquoi pas que FIFA a fait passer dans le bagage, monsieur? Deux sanctions. Hein? Bon, deux jours en jour. Deux jours en jour. Et Dieu en pénalité. On paye qui la pénalité, on met ton joueur de dehors. On dit, monsieur. Bon, pénalité pour le Japon. C'est Yuto Nagatomo. Yuto Nagatomo qui pourrait en changer le deux pénalités. Yuto Nagatomo. Capono est la 106e Shinji Kagawa, c'est Shinji Kagawa. Et Shinji Kagawa, le 210 est soulevé pénalité ça. Oui, c'est parti. Attention! Go! Gol 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 United, Shinji et Kagawa qui sautent ouvrir ce collant pour le Japon. Et sur le Japon, il prend un contre très bonheur. Et. À vous suivre là, monsieur. Monsieur, est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est pas un goal qui est plus rapide jusqu'à présent dans la Coupe du Monde là? Et. Fonda vérifier. Même penser ça, oui. Pas oublier que pénalité Cristiano Ronaldo pour l'Espagne, c'était à la 3e minute de jeu. Je pense que ça, nous sommes arrivés dans. 3e ou 4e minute de jeu là et nous pas le faire comparaison qui goal mais tous les deux ces pénalités oui tous les deux ces pénalités Cristiano Ronaldo marqué à la 3e minute de jeu et puis gagné et Shinji Kagawa qui ouvre score pour le Japon quand même 3e minute de jeu quand même Jérôme c'est pas un autre calcul pour technicien équipe colombienne non c'est Cameroun
justement parce que non seulement pour un goal ou perdu un joueur et yo carrément chambardé schéma tactique mm-hmm. obligé venir connait avec une autre formule question pour répondre à équipe japonaise là et une mauvaise sortie dans une compétition qui est les coupes du monde les capable hypothéquer chance de qualification pour suite compétition. Bon, en tout cas, comme gagne émission spéciale sur télévision, je pense que monsieur est capable de critiquer lui Guy avec docteur Didier Rivaux. Donc m'a demandé est-ce que arbitre là pas trop méchant tout sur action ça. Il était qu'à quoi des penalty mais est-ce que carton rouge a été mérité puisque pas ouais jouer football là c'est volleyball il t'a joué. Si c'est volleyball il t'a joué ou ouais la terre hier ballon non, non mais... faut pas sortir dans règlement jouette là tout Dominique parce que règlement jette là d'un bagaille et puis même si tu es détaché net ou senti que monsieur s'est bloqué même là le oui, ballon. Oui, des penalty parce que pas bien que shoot là qu'a fait là. Monsieur mais en détaché net monsieur son bail monsieur fait avec volonté. Donc monsieur compte ça le fait même monsieur al derrière je ballon avec donc pas gain blague la donne c'est pénalité donc transformé par Shinji Kagawa joueur du Borussia Dortmund monsieur gain 29 ans li a honoré la 93e sélection dans carrière li et saut marqué là 31e but dans carrière li sous couleur équipe japonaise là ballon dégagé par un défenseur colombien convoité par la défense et Nippon ballon sorti en touche, touche concédée par le numéro 3 et Gen Shoji et qui mettait ballon en touche. Ou Gen Bagana Mon Quadado, ou Gen Bagana Mon Quadado. Attention, en tout cas, la Colombie a assez de monde devant, monsieur, qui pouvait différence là. Ron Quadado, Radamel Falcao, James Rodriguez, trois messieurs Sayo, si vous respectez tête, t'as supposé changer carrément l'ordre du jeu, monsieur, parce que vous avez qualité technique, monsieur Sayo. Effectivement, Jean-Pierre, mais on peut préciser que James Rodriguez passe sous terrain. Donc, quand même, les réservistes, je veux dire, pour Matisse. C'est en raison de une fatigue musculaire. Monsieur était obligé d'entraîner pour contre l'hier. C'est raison ça qui fait que monsieur n'a pas démarré avec une équipe colombienne. D'ailleurs, il était même annoncé incertain, mais probablement, nous sommes capables à n'importe l'heure de monter James Rodriguez. Monsieur était ça, il une fatigue musculaire. Oui, parce que monsieur est important pour effectif là. James Rodriguez, nous avons dit comment monsieur était brillant lors de Coupe du Monde Brésil 2014 là. Et son ballon qui sortit et en touche pour Los Cafeteros. En touche qui va le faire dans le couloir et par le numéro 4 colombien. Je vais parler justement de Santiago Arias qui va le faire touche là. Les ballons pour le Japon. Coup de tête défensif. Ron Quadado. Bousculade, Keisuke Honda fait faute sur Ron Quadado. On va voir ça. Voilà, oui, effectivement, il y a faute du numéro 5. C'était une faute de Yuto Nagatomo et le coach japonais à l'écran, madame, monsieur. Monsieur, donc, qui mettait main dans ma chouette. L'Hipoko est donc capable de rentrer véritablement dans la question. Content pour le nom, monsieur. Ouais, monsieur, très sûr et très calme. Attention, Santiago Arias. On centre qui repoussait. Deuxième balle, remise de la tête. Attention, redoublement de passe. Intervention d'un joueur japonais. Ballon pour la Colombie. La Colombie, depuis à la deuxième minute de jeu, a joué en infériorité numérique. Après la sortie de Carlos Sanchez, qui prend carton rouge parce qu'il jouait ballon Akmel. Et ça te baille pénalité pour l'équipe japonaise. Déjà, c'est là et dixième minute de jeu, Pierre Gilles, le Japon mène par 1-0 grâce à une réalisation sur penalty de Shinji et Kagawa. Le Japon est vraiment qui bien entamé match. Effectivement, score favorable pour l'équipe japonaise. Le ballon est contrôlé par l'équipe colombienne avec qui c'est Juan Cuadrado. La passe, mais le joueur a été descendu sous les yeux de l'arbitre central en parlant de M. Damir Skomina, âgé de 42 ans, né le 5 août 1976. Coup franc pour le tricolore. Oui, on a regardé là Daniel Murillo, lui-même qui pral repositionner Murillo, qui pral quand même et poté et support offensif là, équipe colombienne qui domine dans match football si là.
1-0 pour le Japon, but inscrit par Shinji Kagawa sur penalty. Pierre Miguel, on a rectifié que Japon était atteint 8e de finale en 2002 et en 2010. Effectivement, attention, mais la sortie exacte du portier japonais, ami téléspectateurs, ce qui était gagné au jeu sous action 1. Là, mais déviation 1, mais goalkeeper Eiji Kawashima était présent. Il capte le ballon sans problème. Li relance au niveau de défense. Li n'a pas joué dans la zone ça. Par Maya Yoshida. Maya Yoshida. Oui, Yoshida. La passe de Yoshida en direction de Makoto Asebe. La passe en retrait en direction de Genshoji. Genshoji. La passe latérale envers Yuto Nagatomo. Nagatomo qui joue en profondeur en direction de Takashi Inoue. Inoue, que va-t-il faire? Conservation de balle de Inoue qui s'appuie pour l'instant vers Kago Shibasaki. La passe en retrait, mais ballon perdu. Cuadrado qui récupère pour l'équipe colombienne, mais il est descendu. Le ballon est filé en touche. Touche favorable pour l'équipe colombienne. N'a pas suivi là. C'était une intervention réalisée par Takashi Inoue pour l'équipe japonaise. Regardez là, goalkeeper équipe japonaise. Non, et lui-même qui était présent à la limite, mesdames, messieurs. Donc réclamé là pour que l'IT ait capté ballon sans problème. N'a pas exactement de Eiji Kawashima. C'est toujours 1-0 pour l'équipe japonaise. La tête met la deuxième balle en défense centrale de l'équipe colombienne. La passe sur le couloir gauche en direction de Joan Moïka. Moïka balle au pied. La passe de Moïka vers José Izquierda. Izquierda. Il tourne sur lui-même. Il s'appuie en direction de Juan Quintero. Mais le joueur est descendu. Oui, faute pour l'équipe colombienne. N'a là. Et disons, habite Slovène, non, Damis Komina, qui quand même très acide avec le joueur japonais, lui demande pour que lui pas fait un bagarre comme ça. Quand même, souvient n'importe ce goût de match là, il est capable d'équilibrer les choses, puisque penalty a été deux sanctions en même temps, il est capable d'équilibrer les choses. Le joueur colombien est resté au tapis, a mis téléspectateurs. Est-ce qu'il va pouvoir il continuer? Il va équilibrer les choses parce que pour le mettre deux équipes à 10 contre 10. Non, mais ma parole en tête d'une intervention fautive quand même qui t'a oui. Parce que la décision que je te prends, c'est pas une décision logique. C'était logique. J'accepte. Parce que lorsque l'arbitre central a pris le temps de faire sortir, c'est parce qu'il estimait que ils font erreur sous jugement. Ils bah un carton rouge alors que. Ils vont l'encadrer par la voilà. Oui. Coup franc pour l'équipe colombienne. Ils vont réparer tête. Déviation au niveau de la tête. Là, disons, au niveau de la défense, la deuxième balle favorable pour les Colombiens. La passe en retrait vers David Ospina. David Ospina qui s'appuie en direction de Davinson Sanchez. Davinson Sanchez, la passe à gauche en direction de Mohan Moïka. Mohan Moïka qui s'appuie vers Juan Quintero pour l'équipe japonaise et l'équipe colombienne, disons, ballon perdu. Les Japonais vont repartir à l'attaque. Oui, et danger pour l'équipe colombienne. La passe sur le couloir gauche. Deuxième goal peut-être. Oh là là! La frappe de Takashi Inoue est passée à côté. Revoyons l'action, chers téléspectateurs. Oui, le ballon est allé en 5,50 m. Takashi Inoue. Takashi Inoue, Pierre Miguel, Pierre Gilles et Fritz Saint-Dominique, c'est le premier joueur japonais qui manquait contre Barcelone dans New Camp. Monsieur Téfon Dublin, changez ça. C'est le premier joueur japonais qui manquait contre FC Barcelone dans New Camp. Radamel Falcao, la passe de Falcao vers Ose Izquierdo. Le centre de la boîte, le danger persiste. Juan Cuadrado, que va-t-il faire? La passe en retrait et le tir final. Le ballon est dévié, c'est pas encore fini. Ça persiste, mais finalement, ballon repoussé en touche. Touche favorable pour les Colombiens qui fait rapidement par Santiago Arias. Arias Santiago qui joue en direction de Jefferson Lerma. Lerma bat le pied et il retourne en direction de Santiago Arias qui n'a pas trop de solution, qui retourne vers Oscar Murillo. Murillo bat le pied, la passe de Murillo vers Jefferson Lerma. L'équipe colombienne toujours en possession de la balle en direction de Murillo. Oscar Murillo, la passe axiale vers Juan Quintero. Juan Quintero qui prolonge en direction de Juan Cuadrado. Cuadrado, ballon perdu. L'équipe japonaise à l'attaque, la passe en profondeur à la recherche
l'accueil de Yuya Osako, mais ça ne marche pas. C'est la défense colombienne qui récupère la passe en direction de qui? Et c'est bien Juan Quintero. Juan Quintero balle au pied. Juan Quintero très calme. La passe sur le couloir gauche en direction de Joan Moïka. Joan Moïka qui s'appuie en direction de José Izquierdo. Izquierdo qui voulait alerter Radamel Falcao, mais le ballon est capté par le portier Eiji Kawashima pour les Nippons. Eiji Kawashima est très calme. Eiji Kawashima et qui donne en direction de son couvert défensif en parlant de Genjohi. Genjohi la passe à présent vers Maya Yoshida. Yoshida très calme. Yoshida balle au pied. Yoshida qui s'appuie vers Gaku Shibazaki. La passe axiale. Les Japonais toujours en possession de la balle, mais cette fois-ci en territoire colombien. On joue à présent et par Shinji et Kagawa. Kagawa la passe vers Hiroshi et donc Sakai. L'équipe japonaise toujours avec le dossard 7 et Gaku Shibazaki. Et Shibazaki la passe en profondeur, mais la sortie est du portier colombien David Ospina et qui dégage rapidement. La passe vers la droite vers Juan Cuadrado. Cuadrado en face de lui, il y a et donc David, disons, il y a Hiroshi et Sakai. Est-ce qu'il va centrer? On attend le centre, mais ballon contré. Non, quand même, c'était Napoussula. Mais débordement de Juan Cuadrado en face, lui, t'es gagné Yuto Nagatomo. Mais finalement, qui t'a fait un mauvais contrôle et ballon si là, talé, ami sportif en corner. C'est un corner qui prend la fête de droite vers la gauche. N'a regardé. Non, disons, c'est 5,50 m que ballon sorti. Et c'est pour le ballon quoi relancé rapidement par le portier Nippon Eiji Kawashima. Eiji Kawashima, si vous nous rejoignez à peine. Et donc, le Japon mène 1-0 au dépens de l'équipe colombienne. But inscrit par Shinji Kagawa sur penalty. Alors, il faut signaler aussi sorti Carlos Sanchez, monsieur qui prend carton rouge pour l'équipe colombienne. Non? Ça vient de faire que Ose Pekerman obligé à faire un autre calcul. Alors, faut que nous préciser, monsieur, après Mohamed Dansala, une superstar qui est au dans la Coupe du Monde, là, qui n'a pas démarré match pour l'Égypte, eh Yamès Origues, c'est le premier superstar qui est au qui n'a pas démarré pour la Colombie. Voilà, précision de notre ami Dominique Fritzner. Oui, l'équipe colombienne contrôle la balle dans sa défense. Par qui c'est bien Davinson Sanchez qui s'appuie vers Oscar Murillo. Oscar Murillo, la passe latérale de Oscar en direction de Joan Moïka. Joan Moïka qui traverse le rond central en jouant sur José Izquierdo. L'équipe colombienne perd le ballon. Oui, récupération rapidement pour les Cafeteros. La passe axiale en direction de Jefferson Lerma. Jefferson Lerma, Juan Cuadrado. Semelle de la partie à présent, la frappe, ballon contré, la deuxième balle favorable pour les Japonais qui vont repartir à l'assaut. Attaque pour l'équipe japonaise, mais il y a faute. Non, l'arbitre central, monsieur Damir Skomina, fait signe de continuer. On est sur le côté droit par qui c'est bien Santiago Arias. Santiago Arias, la passe de Santiago Arias en direction de Juan Quintero, ballon contré, rebond favorable pour les Nippons. Attention dans leur propre territoire et à présent l'arbitre fait signe de continuer. Ou est-ce qu'il y a faute? Est-ce que tu as une faute sur action? Nous est là, jouette là, les calmer momentanément. Merci à tous les sponsors qui permettent et compétition si là arrivée possible sous Radio Act Télévision Nationale d'Haïti ou même qui attendent des place toujours pour quand même faire et passer pour duo puisque c'est le choix idéal, le grand réseau de donc RTNH qui s'est gagné réseau. La passe au niveau de la défense japonaise, la passe axiale pour l'instant en direction de Shinji et Shinji Kagawa. Shinji Kagawa qui redonne et vers Genshoji. Genshoji, la passe axiale en direction de Maya Yoshida. Maya Yoshida qui s'appuie sur le couloir gauche là où il y a Yugo et Yuto Nagatomo. Nagatomo, Takashi Inoue, ça se joue entre Nagatomo et Takashi Inoue. Et donc Joelan, les gains du mal pour aller à l'attaque, les préférés jouer en vers Genshoji pour l'équipe japonaise. Japonais pour l'instant très calme, il est vraiment patient, il a cherché l'autre goal toujours. On joue en défense à présent. Maya Yoshida, Maya Yoshida, la passe vers Genki
Araguchi, mais le ballon est filé en touche. Touche favorable pour les coéquipiers de Shinji Kagawa. Touche qui effectue rapidement par Hiroki Sakai. La passe de Hiroki Sakai qui est en direction de Maya Ushida qui joue latéralement en direction de Yuto Nagatomo. Nagatomo très calme. Nagatomo qui repasse le ballon vers Genshoji. La passe en retrait vers Maya Ushida. Maya Ushida et qui donne à droite Hiroki Sakai. Le centre de Sakai contré. La deuxième balle favorable pour l'équipe colombienne qui perd le ballon rapidement. Attention, attaque pour les Nippons. Ouverture sur le couloir gauche, mais c'est une passe imprécise. Le ballon est filé. En touche favorable à l'écran. Mesdames et messieurs, vous regardez Makoto Hasebe, le dossard 17 de l'équipe japonaise de football. Également, il y a Juan Corradado. La passe, mais et c'est pas la défense qui va récupérer. La défense de l'équipe japonaise, Maya Yoshida. Yoshida balle au pied. Yoshida qui joue dans l'axe vers Makoto Hasebe qui s'appuie sur Yuto Nagatomo. Nagatomo qui repasse le ballon vers Genshoji. Genshoji toujours pour l'équipe japonaise de football. 1-0 et 1 pour l'équipe japonaise. 0 pour les Colombiens. Le ballon est contrôlé dans l'axe du terrain. La passe sur le couloir gauche vers Yuto Nagatomo qui repasse vers Genshoji. La passe sur le flanc droit en direction de Hiroki Sakai. Ça ne marche pas. La défense colombienne dégage, mais ballon récupéré au niveau de la défense japonaise. Le 222, il s'appelle Maya Yoshida. Yoshida Maya, la passe vers ce couvert défensif et Genshoji, sans hésiter, qui s'appuie sur Yuto Nagatomo, qui redonne le ballon à nouveau en direction de Genshoji. Genshoji très calme. Genshoji en position de la balle. La passe en direction de Maya Yoshida. Voilà, donc puisque Télévision Nationale d'Haïti, Jérôme Pierre, eh bien, prend engagement pour l'assister population. Yon moi, et donc plaisir. Et pendant ce temps, on va profiter de diverses primes. Oui, le ballon est filé en 5,50 m. N'a pas suivi là. Moi, plaisir, ça, net. Araguchi, plaisir avec un pile intérêt. Oui. Ouais, pour plaisir, on va passer en bas et quand tout. Ouais, pour plaisir et pour faire quoi. Donc, étant donné que le match a été un goal, il a été un carton rouge la donne, eh bien, téléspectateurs ou auditeurs qui ont suivi le match là, capable d'annoncer comme final match là et qui équipe qui a gagné. Voilà. Colombie, il y a mené 1-0 sous Lila, et Colombie le compte. Takashi Inoui pour le corner. Colombien qui joue comme. Takashi Inoui. Parce que pile Colombien qui jouait que Japon a gagné match. Corner. Alors, mais ça nous dit Pierre Miguel, on suit action ça avant nous dit ça m'a dit. Corner effectué à la Rumoise, le centre de la boîte, danger pour les Colombiens. Le danger persiste, mais finalement l'arbitre central a tranché. Monsieur Damir Skomina octroie un coup franc pour les disons pour le tricolore ou encore Los Cafeteros. Oui, alors ça m'a dit, monsieur, ou pas senti gagner comme si yon japonais qui gagne responsabilité jouette là sous dol ou est ce collectif là qui a marché. C'est ça m'a dit tout au début. C'est 11 moun nan comme si m'a dit qui a fait jouette là. Qui pour dégager sous quelque chose. Évidemment. Pas gagne un monde qui sorti du lot, pas gagne vedette et pas gagne joueur que moun pral dit c'est monsieur m'pral suivre. Dans Japon, pas gagne c'est plutôt des anciens, un mariage ancien avec des nouveaux joueurs que yo vinn dans coupe du monde là l'opre on est kagouke que Honda Nagatomo et joueur ça aussi yo là quelque temps Shinji Kagawa et ACB donc c'est des joueurs qui là depuis quelques temps en deux équipes japonaise. Là attention, ballon passé à côté. Toujours un goal à zéro, Fritzner Dominique en faveur le Japon. Soit peine, rejoignez-nous, madame, monsieur, qui te rappelle que Japon te ouvre score suite à une faute de main de Carlos Sanchez et son pénalité qui t'apprête à transformer par Shinji et Kagawa. Et depuis lors, le Japon a peiné pour un goal à zéro. Attention à ce corner pour Los Cafeteros. Attention pour le soulever. Il y a un corner qui balancé par le numéro 20. Et Colombien ballon repoussé
C'était Juan Quintero. Bien au gain ballon, attention, passe en retrait, yo capable mettre frappe là. Non, yo écartel Juan Cuadrado, il mettait frappe là qui contrer. Est-ce que ballon sorti en touche mais non, Juan Cuadrado pas quitter le sorti, Juan Cuadrado, l'alte est passé, bon marquage réalisé et par Yuya Osako, ballon donc voilà, Yuya Osako, le dossard 15 japonais et on a à présent Santiago Arias qui occupe le couloir droit. Il a commis la faute sur Takashi Inouye qui t'a joué saison ça dans l'équipe Eibar là, mais qui quitte Eibar calé dans Real Betis monsieur pour saison qui vient là. Ballon pour Gaku Shibazaki fait en retrait et ballon en terrain pour Iwo Kisakai penché un peu à gauche pour Yuto Nagatomo, la passe en retrait et pour Iwo Kisakai joue dans le couloir pour Inouye, le centre de Inouye, ballon facile pour David Ospina qui va relancer le jeu. La Colombie et il n'y a pas mené sous l'Ipa Yongon à 0. Nous sommes une belle équipe ça dans la Coupe du Monde et 94. Attention, ballon repoussé de la tête, bousculade Abicentral là, pas campé chouette là, l'icône dit que joue boule, ballon en de terrain pour la Colombie. Yo joue un peu à gauche et pour le dossard et 21 OC Iskredo, ballon donc en défense, la Colombie a sorti mais contrôle manqué, talonnade, yo sauvé le quand même, bon bagaille, yo sauvé le quand même, ballon pour Oscar Murillo qui jouait à gauche pour son 217, Johan Moïka, il fait passer là et jeune monde pour ballon, les jeunes Moïka encore, Moïka fait une deux pour lui, mais finalement dernier passe trop courte et pral de faute donc sous Moïka qui est touché là. Voilà Moïka qui a fait taclan et sous Genki Iragushi et c'est monsieur qui touché parce que nous comment semelle et Iragushi dormi semelle là sous et cheville donc et Moïka et plus de peur que de mal pour le latéral gauche colombien. Ballon pour Genki Shoyi, la passe à gauche pour Nagatomo fait en retrait, attention et Shoyi gen ballon, Shoyi soit fait, li fait en retrait en de défense là, attention passe longue de Hiroki Sakai, ballon taclé et c'est pas une touche pour les Nippons. Touche concédée par l'arrière central gauche colombien Oscar Murillo. Attention, et touche le pour le fait. Et la division monde démarqué pour le faire. L'Ifeli, contrôle de haut but, passe en retrait, mais passe la guette trop forte. Son ballon qui allait en touche. Touche donc pour l'équipe colombienne. Il va avoir un changement à ce qu'il paraît. OCP Kemen, nous connaissons qui remportait un paquet de Coupe du Monde, moins de 20 ans. Mais elle beaucoup que j'aime capable faire grand chose dans Grand Lagou. C'est Jean-Pierre, c'est Wilmar Barrios qui a préparé pour l'entrée dans le football là. Justement, entre temps, c'est pral yon coup franc. N'a pas gardé là le numéro 10, Shinji Kagawa, ballon dans axe là. Yo pral Kebel, yo joué pour 207 là. Gaku Shibazaki, ballon donc Shibazaki encore qui fait passe là. La dévi donc de Takashi Inouye, on remet en retrait dans le rond médian, équipe japonaise la Kembe ballon beaucoup plus, attention tacle en fait il n'y a pas faute, ballon Juan Cuadrado joine Radamel Falcao, allez pour Moïka, il était passé Moïka, il ne parvient pas à traverser le joueur japonais, intervention donc du défenseur japonais, ballon pour la Colombie, ballon passe en retrait du numéro 6 et 16. Alors, Jefferson Lerma, ballon toujours. Équipe colombienne, yo perdu. Le Japon a sorti Kounia. Attention, intervention. Et ballon pour le sortir en touche. Touche donc. On joue la 30e minute de jeu. C'est la demi-heure de jeu. Le Japon 1, la Colombie 0. Buyoski sur pénalty par Shinji et Kagawa. On a à l'écran de dos
Osako. Donc le numéro 3 est japonais. Alors c'est ça de football là, oui, et Jérôme. Tout favori, c'est sous papier. Sous papier. Réalité, c'est souterrain que lui. C'est dégagé, fait son fait. Alors nous rappelons l'équipe Colombia, sous plan continental, il était remporté Copa América 2001. Vous avez Copa América ça? Vous avez toute une pression, Dominique. Vous avez ça? Argentine pas qu'à aller dans Copa América ça. Bon. Et puis, ils organisent affaire, ils prennent affaire. Le c'est One Kembe tout superstar. One Quadrado Soti, il est remplacé par le dossard 5, Wilmar Barrios. Oui, changement pour l'équipe colombienne, Wilmar Barrios. Ça va étonner de changement, ça, son changement tactique lié. Nous sommes en 94, ça a arrivé en Italie, dans la Coupe du Monde là. Gardien était pour un carton rouge, et bien, il était obligé de sacrifier Roberto Baggio pour le gagner un match. Nous sommes en Italie-Norvège. C'est après le premier gardien qui est après la victime de sanctions des poumons et un ballon de Yokaria 14. Attention Dominique! Ballon passé à côté. Là, le Japon est capable de faire un deuxième goal là. Voilà, Medri Blanc réalisé par le numéro 15 japonais, Yuya. Il dévissé malheureusement. Tu l'as dévissé malheureusement. Oui, Yuya Osako pas et. Cadré tirant, ballon donc pour le Japon, la passe décalée sur le feu droit et passe donc de Gaku Shibazaki, ballon en retrait, yo remettre les dans la défense là, équipe japonaise là et monopolise et ballon hein. On passe pour Shibazaki, le renversement de jeu pour Yuto Nagatomo fait son bruit hein. Bon bagage Nagatomo, mettez cette Kounia, le centre, attention là. Le Japon qui a fait de plus en plus menaçant, madame, monsieur. Malgré que vous ouvrez ce col, nous allons continuer à jouer, continuer à bousculer l'équipe colombienne en termes de possession de balles, mais également en termes d'occasion. C'est eux-mêmes qui paraissent beaucoup plus dangereux et nippon. Entre autres, c'est un corner pour la formation japonaise. Les Nippons mènent par un but à zéro sous Los Cafeteros. Donc pour le Japon, qu'on est qui sera beauté de la droite vers la gauche. Attention, c'est de la gauche vers la droite. Ballon balancé. Attention, ballon repoussé de la tête. Ballon contrôlé. Et par l'équipe du Japon. On goal à zéro jusqu'à présent, madame, monsieur, pour le Japon. On rappelle que compétition ça, les joueurs de patronage sous télévision nationale d'Haïti par la présidence ONA et Track, la TGI institution. Chrétienne d'Haïti, Megavolt, EDH, la BNC, Euro, Ceram et puis Honda. Donc tout sponsor ça yo décidé marcher avec Télévision Nationale d'Haïti pour la 21e édition du Mondial WC 2018. N'attendons tout pour Coupe du Monde et féminine qu'a fait en France. Côté que sélection haïtienne gain rendez-vous avec l'Allemagne, le Nigeria. Premier match sélection haïtienne c'est contre l'Allemagne, monsieur. La Coupe du Monde, moins de 20 ans ça. Donc, nous avons tout le sponsor. C'est là que nous côté moun pour supporter véritablement et bien médias haïtiens pour capable assurer retransmission Coupe du Monde. Ça, puisque Bicololan pral flotter très haut dans le pays. Et bien, et la France. Du 5 au 24 août. Justement, passe en retrait. Ballon en bas de France. Là, et pour et Makoto ACB, là, elle est à gauche. Appel de balle fait par Yuto Nagatomo. Passe l'en pas aller. Remise de la tête. Le contrôle. Deuxième contrôle. Il y a faute. Non. L'homme central n'a rien dit. Non, finalement. Libaye Koufran pour la Colombie. Puisque tu as gagné le numéro 15 colombien qui avait touché. Donc c'est un coup franc et Mateus Uribe entre temps c'est un coup franc pour Los Cafeteros qui obligé là malgré que il a joué en infériorité numérique, il a obligé à le derrière égalisation hein. Ballon pour le numéro 3 Oscar Murillo arrière central gauche Oscar Murillo il fait passe là, ballon bien joué là, intervention du numéro 5 et c'était de préférence le
numéro 15, Yuya Osako. Attention, Moïka. Il a forcé le jouer en retrait. Ballon pour David Ospina qui joue dans la défense. Là. Davidson Sanchez. Davidson Sanchez. Arias central droit au sein de l'équipe colombienne. Il joue à droite. Santiago Arias. Déviation. Ça ne fonctionne pas. Et c'est une touche pour la Colombie. La Colombie a passé sous l'école de Saint-Dominique. Mais jusqu'à maintenant, Poco gagne un rien qu'à fait dans la ligne d'attaque. Là. Poco gagne bagaille vraiment que nous capable de retenir pendant et 35e minute. Ça, pour nous dire, mais qui action dangereuse et tranchante. Colombie fait dans 35 minutes un match football. D'autres ont commencé à planer, ou c'est Pekeman, il doit souke Kouali, puisque le patarin est allé dans le vestiaire là avec 1-0 et pas oublier la joue avec 10 moun, il prend carton rouge. Je pense que grand pile calcul qui doit faire là, puisque l'Oré le Colombie ou perdit le premier match dans une compétition, il dit ça, il dit ya. Bon, je pense que Pekeman son gros entraîneur, c'est lui même qui compte qui coûte 4 pour le faire là. Tout d'abord pour jouer une goal égalisation et puis Macron l'autre pour gagner un match de football. Et puisque Dominique, c'est ça. Mais surtout Dominique, les opères du premier match de compétition, là en question. Alors on commence l'avenir à pied. Oui. Suite l'en pied. Attention, oui. Ballon repoussé. Deuxième balle pour la Colombie. Les Colombiens bénéficient d'une rentrée de touche. Radamel Falcao Garcia. Et à l'écran, madame, monsieur, la star et colombienne. Alors désormais gagné deux grandes figures au sein de l'équipe colombienne. On nous parlons de Radamel Falcao et James Rodriguez. C'est vrai que Radamel Falcao là souterrain. Et James Rodriguez lui-même, l'Hipoko entre dans le match. Attention, ballon dégagé et télescopage. Coup franc pour la Colombie. Oui, l'homme central estime que le numéro 17, Makoto Acebe, a commis la faute. Makoto Falcao. Makoto Acebe, c'est un ancien. Oui, il est là depuis quelques temps. Makoto Acebe. Qui est commet faute là sur Radamel Falcao. Match toujours yon goal à zéro, madame, monsieur, pour le Japon. Est-ce que Radamel Falcao est capable de faire différence là? Il y a qualité pour ça. Et c'est un bon buteur. Et c'est un avant-centre complet qui est capable de goal tout le temps de la tête. Et il compte marquer vraiment assez facile souvent dans le championnat de France là. Joueur Monaco, Radamel et Falcao. Entre temps, nous pourrons être capables de suivre qui ça couvre ça. Pral poté pour la Colombie. Alors, on rappelait que Pekeman a déjà fait un changement dans le match là. Il a sacrifié Cuadrado. Et bon, il y a un monde qui était cabal goal devant. Mais ça qui est important là, c'est l'assurance. Il a besoin de la défense là pour ne pas prendre un deuxième goal. Il a espéré être capable d'égaliser, mais prendre un deuxième n'a pas compliqué la situation. Hein. Net. Ron Quintero, Rassan! Gengol! La présidence met nous, on a met nous, et Track met nous, DGI met nous, Institution chrétienne d'Haïti met nous, Megavolt met nous, EDH met nous, BNC met nous, Euroceram met nous, Honda met nous. Voilà, quoi qui peut lancer dans quel prend ballon, c'est dans quel prend ballon. T'es que tu vois ça longtemps, foutre Dominique. T'es que tu vois ça longtemps, ou pas jamais hésité sur le goal. Et puis là, petit ballon par contre, monsieur. Oui, ça ne t'es prend, un à un, voilà, coup franc, beauté, rassort. Mais si fait, ça nous fait que ça nous fait contre le Bayern. Mais si c'est contre le Paraguay, moi plume. Oui, voilà, goal, 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 ballon dunk longtemps. Mes amis, le goal fut c'est Dominique pas hésité. Qu'est-ce que le ballon sans dunk le prend? Goal là, technologie, by goal pour déception pour ce japonais a mouru 1-1, madame, monsieur. Alors ça me dit dire à Jérôme, Pekeman qui fait changement, le mettre en défenseur, contre qui ça? Assurer d'elle là pour ne pas prendre deuxième, parce qu'il connaît n'importe qui capable d'égaliser pour lui. Oui, et c'est ça qui j'aime te faire ça, me dit que et monde qui devant yo yo gain assez de capacité évidemment. Pour capable et bien et réaliser quelques bagages pour la Colombie 1-1. Fritzner Dominique, le match bon, est relancé. Mbral ouais, si ça yo dit qu'existe ça existe vrai. Bon pile colombien qui parie sur match à 2-1. Japon bat 2-1.
Ou pile Colombien. C'est bien. Mbadi haïtien non, ou pile Colombien. C'est et surtout Dominique, gon numéro qui a passé là, ou même qui a suivi match là, sur radio ou télévision nationale d'Haïti, ou capable de dire combien de goals qui a gagné ou a pris un cadeau. Eh bien, monsieur, c'est vrai. Combien de goals qui a gagné dans match là. Ce qui score match là fini. Eh bien, monsieur, bon. Et donc, voilà. Et c'est vrai que y a mené sous lit, donc il pat quand même baisser les bras et il est récompensé de Ifol. C'est ça, ballon donc pour le numéro 7 japonais, Gaku Shibazaki. Shibazaki, il quitte légèrement en retrait. Attention pour Genki, Iragushi. Ballon donc perdu, bousculade. Arbitre central là, et 10 joueurs boule tout temps. Ballon pour Shoei. Shoei quitte l'un de terrain. Attention, ballon pour Iragushi. Iragushi fait passe là à gauche. Question pour te joindre. Et qui est Inouï qui était à décaler à gauche. Mais ballon sorti, Santiago Arias va exécuter la remise en jeu. Ron Quintero, c'est le buteur colombien, madame, monsieur. Et nous, et fait quoi, monsieur, à l'écran là. Ballon donc dégagé, touche le fait, intervention. Il y a faute sur Yuto Nagatomo, c'est le capitaine colombien Radamel Falcao Garcia qui vient de commettre la faute. Un à un, madame, monsieur, entre Colombien et Japonais. Nous sommes dans le groupe H. Ballon donc écarté un peu à droite pour Takashi. Attention, la passe en retrait. Ballon en bas défense là pour Maya Yoshida. Yoshida quitte le pour Shoei. Genshoei. Genshoei. Puis on perd du loin pas. Genshoei fait passer quand même en terrain. Côté joint, Iwoki Sakai. Le contour de la poitrine. Bon bagay. Appel de balle fait dans le couloir. Où est ça? Où mets-toi force là-dedans? Où mets-toi force là-dedans? Où mets-toi force là-dedans? Où mets-toi force là-dedans? Comment voulez pour Genki Aragushi River jouer un à un. Mais coup franc, Pierre Miguel Pierre Gilles. Voilà. Voilà le coup franc de Ron Quintero. Goalkeeper après ballon. C'est vrai, Potian Talé est du bon côté, mais quand même, il n'y a pas de cas éviter ballon. On ne pas ce qu'on dit Pierre Miguel Pierre Gilles. Goalkeeper pas tenu si mode coup franc ça. Donc ça a shooté. On va faire ça souvent. Il pense que monsieur Ballon voilà, monsieur passé en bas, Moulin lui-même, et puis ballon, le temps pour le guet arrivé, lui-même, ballon guet traversé, les deux buts, un à un. Pierre-Miguel Pierre-Gilles. Voilà, le match est complètement relancé entre Japonais et Colombien, amis sportifs de la RTNH. Le ballon est contrôlé au cœur de la défense japonaise. La passe axiale vers Shinji Kagawa. Shinji Kagawa qui traverse le rond central. Il joue à gauche en direction de Yuto Nagatomo. Yuto balle au pied. Yuto, non, c'était de préférence Takashi Inoue. Takashi Inoue, les Colombiens récupèrent en défense centrale. La passe à profondeur, mais ballon. Et donc récupéré par l'équipe japonaise. La passe en direction de Makoto Asebe. Makoto Asebe qui n'a pas trop de solution, qui retourne en retrait vers Maya Yoshida. Maya Yoshida et qui et donne le ballon vers son compère Kago Shibasaki. Mais les Colombiens récupèrent la balle. Oui, l'équipe et donc El Tricolore va repartir à l'offensive. On est sur le couloir gauche. Donc dans cette position c'est bien aussi Izquierda. Que va-t-il faire? Conservation de balle et du joueur. Et donc, Colombien entre dans celle de 205. Williams Barrios qui contrôle la balle. Attaque pour l'équipe colombienne sur le couloir gauche. On attend ce que ça va donner. Mais tacle pour mettre le ballon en touche. Tacle, c'est le 217 qui a été descendu. Oui, c'est bien Juan Moïka. C'est lui qui a été descendu. Entrée de touche pour l'équipe colombienne de football. Oui, il est à la recherche d'un partenaire libre. On attend ce que ça va donner. Oui, rentrée touche effectue rapidement pour les Colombiens. Oui, on a regardé le joueur footballant qui a laissé mystifier deux joueurs japonais. C'était Radamel Falcao. Mais malheureusement, dommage, ça ne passe pas. Un à un. Un pour les Colombiens, un pour les Japonais. Oui, rentrée touche pour l'équipe japonaise de football. Le Dossard 19 qui se prépare à effectuer la rentrée touche. C'est bien Iwoki Sakai, la passe à profondeur, mais Iwoki pour la deuxième balle, la passe en avant de Sakai à la recherche de Yuya Osako, mais c'est la défense colombienne qui récupère le ballon et filé en touche qui va effectuer par Juan Moïka pour l'équipe colombienne de football. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il a joué en retrait ou est-ce qu'il va le jouer en avant? Oui, là il est dans l'axe du terrain, là où il y a Williams Barrios et donc entre
à la place de Carlos Sanchez. Mais donc il y a une lutte pour possession ballon. C'est Colombien qui gagne raison. Finalement, ballon allé en touche. Il y a une minute de temps additionnel dans la première mi-temps. Si là, n'a pas noté ou même soit pas le fait. Alors, il faut une petite précision. Ça, c'est un changement qui se fait là. Wilmar Barrios, monsieur rentré dans la place. Juan Cuadrado. Carlos Sanchez te prend carton rouge. Effectivement, oui, quand même, n'a pas noté également que Jean-Jérôme Pierre Sodilan, équipe colombienne qui a joué en infériorité numérique. Mais non, fils de nommé contre là, il pas montré ça vraiment. Oui, et oui, surtout, oui. Bon, grand technicien OCP Kerman quand même qui effectue un travail titanesque au sein de l'équipe colombienne. Attaque pour l'équipe colombienne. On attend ce que ça va donner. Le centre qui t'a d'avenir. La passe en retrait vers le nouveau venu. Wilmar Barrios. Wilmar Barrios qui joue vers Cuadrado. Non, disons Falcao, ça ne passe pas. Et que c'est l'habit central. Est-ce que c'est la fin? Non. C'était une faute que habit dans l'Ibaï. Non, avantage. Et qui, non, disons ballon aller en touche. Il y a une touche qui va le faire pas. Owan Moïka. Owan Moïka. Owan Moïka. Il est descendu. Le ballon est dégagé. En touche pas. Et donc le joueur japonais, c'était Yuto Nagatomo. Nous sommes par le voilà. Jean-Pierre, c'est la fin de la première période de soldé sur le score de un but partout. Oui, c'est ça. Il y a un premier mi-temps assez discuté, monsieur, entre la Colombie et le Japon. Le Japon est ouvri score très tôt suite à un jeu de main de Carlos Sanchez, suite à une frappe qui fait. Monsieur mettait même le ballon en orbite centrale, pas hésiter, libérer pénalité et expulser joueur colombien Carlos Sanchez. Ça qui fait que Colombie Tevin prend deux sanctions à la fois réduit à 10 contre 11 et encaissé goal parce que pénalité, Shinji Kagawa pour la transformer. 1-0 pour le Japon. Mais écoutez, OCP Kemon pral analyser très bien l'équipe colombienne et également le Japon adversaire. Et bien, ouais, que bon changement qui mérite fait. Yo retiré Juan Cuadrado, remplacé par le numéro 5 et n'a pas le Barrios. Et bien, semble que changement ça le poté fuit parce que jouette équipe colombienne pral beaucoup plus fluide et ça pral bas résultat tout puisque nous son coup franc. Et bien, Ron Quinteo pral égaliser. Donc, un à un, nous espérons que nous avons un plus bel match dans le deuxième mi-temps. Mais avant, nous faisons commentaire sur le premier mi-temps ça, avec Fritz Dominique et Pierre-Miguel Pierre-Gilles qui nous dit que Coupe du Monde, ça, madame, monsieur, les patronnés sous télévision nationale d'Haïti par la présidence ONA et HRAC, et bien la DGI, Institution Chrétienne d'Haïti, Megavolt, Batterie Megavolt, et puis et gagné EDH, la BNC, Euroceram, ONDA. Et faut nous dire tout, gagné Collège Saint-Georges. Et qui trouvait l'Ina Tabar 35 et boulevard 15 octobre et qui gagne garderie, qui gagne et kindergarten, qui gagne primaire, et bien au capable à l'inscrit Timounou dans l'école ça et Tabar 35 boulevard 15 octobre collège Saint-Georges. N'a proposé là, madame, monsieur, n'a retourné pour d'autres considérations après premier mi-temps match Japon contre la Colombie.